Salut à tous les amis, on va continuer, hein. C'est dans la même soirée, notre aventure sur Absolove. On s'est arrêté ici dans cette zone, et on devait partir d'ici, tout simplement. Allez, on va passer par le tuyau. On va vérifier qu'il n'y a personne. Ok, là je pense qu'il n'y a rien à faire dans cette zone. Oh là, il y a l'ennemi là sur la gauche. On va essayer d'éviter. Allez, casse-toi. J'ai des petites choses à fouiller à droite, là. Merci. Je prends ça, je prends ça. On va passer par là, du coup. Tac, tac, tac. Voilà. Allez, ouvre. Voilà, merci. Parfait. On va essayer de les éviter le plus possible, hein, ces bestioles. Voilà, ils sont encore là. Casse-toi de là. Je vais essayer de voir si je peux aller en face ou pas. Encore un juste ici, je pense que je dois aller en face. Hein. Okay, donc je vais l'utiliser pour rien, c'est pas grave. Ok. Ok. Avance tout doucement. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça me rassure. On va essayer d'aller un peu plus vite. On continue. Bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que j'avance tout droit. On avance, on avance. Bon, là, il faudrait que j'aille par ici. On va recharger un petit peu. Allez, merci. Là, c'est niveau 4. Je peux l'ouvrir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette zone? On va essayer de passer par là, si on peut, déjà. Ouais. Je préfère passer par là. Hein. À mon avis, il faut aller au bout du couloir, mais bon. Tout doucement, tout doucement. Ok. Très bien. Bon, on a avancé de quelques kilomètres. Hein. De quelques petits pas, on va dire. J'entends des bruits, mais... Je sais pas d'où ça vient. J'entends que ça arrive. Ça sort d'où? Ouh, putain! Allez, casse-toi, casse-toi. Au moins là, je sais qu'il viendra pas par là. On va recharger. À mon avis, il faut que j'aille carrément à l'opposé de la zone, quoi. Il faut que j'aille à l'opposé. Mais pour l'instant, je sais pas comment y aller. Thank you.
À mon avis, il faut vraiment équilibrer les deux parties là. J'aurais pas le choix que de faire tout le tour. Faudrait que je reparte de l'autre côté. Par où je peux partir? Aïe aïe aïe. On va se cacher là. En fait, il faut que je reparte de l'autre côté en fait. Pour recharger mes trucs. Et après, il faudrait équilibrer les deux poteaux là. Allez. Ouais, pleure, pleure. Boum. Allez, casse-toi. Aïe. Allez, on se barre. Non, non, je suis pas là, je suis pas là. Laisse-moi tranquille. Allez, 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 cours, 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 cours. Voilà, on y est. Ouais, bon. On va recharger et après on reviendra en fait dans la zone. Pour équilibrer et passer par l'ascenseur. Voilà. Maintenant je peux repartir de l'autre côté du coup. On va passer par le trou comme s'il ne m'attrape pas lui. Attends que ça charge bien, que je vois un petit peu dans le noir là, parce que là ça va être galère. Allez. Allez, vite, 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 vite. Alors on va équilibrer deux ici. Voilà. Et une partie là. Voilà. Ok. Oh putain. Ça m'a fait peur cet abruti. Allez, direct, communication. Ouf, c'est bon, on y est. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Un bruit grésillement, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il voulait parler, le mec, mais en fait, non. Ok. À mon avis, il faudra passer de l'autre côté. Voilà, merci. On prend l'audio. Complètement marteau celui-là. Hein. Comme on l'a vu, il était en train d'être torturé celui-là. Allez, on continue. Bah, c'est bien ce qu'il me semblait, on est dans le froid, glace. Ouais, ouais, c'est bien ça. La glace, la glace, la glace. On est de retour avec l'autre géant là. Allez, téléportation, let's go. Et voilà. On est reparti dans la neige. Allez, c'est reparti. Dr. Lisa Svensson, day 89 of the N527 excavations. During the expansion of N527, several remains of the natives were uncovered. This was the first time any of us could get close to any of these violent and immense creatures. Analysis of the ice surrounding the remains proves that they have been here for well over 400,000 years. This means that they existed even before the woolly mammoth. What is even more fascinating is that they seem to have changed very little within the last hundreds of thousands of years. Like evolution is on a standstill in this world. We didn't expect this, and we have to conduct research around these remains. I would like properly educated staff to be added to our ranks so we can uncover the history of these violent creatures. Dr. Lisa Svensson, N527.
Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Nouvelle pile. Progress report on Niflheim Outpost N527. Our latest addition to the N527 management in the form of Dr. Lisa Svensson has been very challenging. On arrival, she exhibited clear signs of depression, which had a major impact on staff morale and became a safety concern. I found out that she was involved in some form of accident, but I can find no records of such an accident. I believe she is telling the truth. In the future, I, the supervisor of Niflheim operations, can't be kept in the dark about such matters. However, after the uncovering of the native remains, Dr. Svensson has returned to work with management and is starting to become a major asset to N527. Please disregard all prior transfer requests of Dr. Lisa Svensson from the N527 outpost. Ok, celui-là je peux pas l'utiliser pour l'instant. Très bien. Bon. Bon, bah, on va remonter à l'étage, hein, du coup. Hein. De toute façon, il faudra que j'aille là-bas. Hein. Bon, ça va, on avance bien là pour l'instant. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a qu'à avancer, avancer. L'armoire, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Très bien. Continuons. Là non plus. Ok. Hop. Là non plus, il n'y a rien. On va essayer d'aller voir par là. Allez. Merci. Je prends l'audio. Et ça. I want to go home. Ok, 10 sur 28. Alors. It was decided that my skills was of better use at outpost N527. And I've spent a week in this freaking icebox. I miss my family. It wasn't even my fault. I told them the artifacts were dangerous. Là, je peux y aller. Ah, à mon avis, il faut que j'aille par là après. Hein. Je vais essayer d'aller là d'abord. Ouais. Là, en fait, il n'y avait rien du tout. D'accord. Bon, allez, on repart de l'autre côté. Allez, on ouvre le sas. Voilà. Il y a une petite sauvegarde juste derrière, c'est parfait. Nickel. Et on continue. Bon, là, on va beaucoup marcher, je pense. Hein. Let's go.
Faut faire gaffe au grand toutou. Faut faire gaffe. Hein. Allez, vas-y, vas-y, avance, 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 avance. Allez, 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 allez. Faut vraiment faire attention à ses yeux. En fait. Là, le bruit, là, le son, là, la musique, là, ça me rappelle God of War. Oula, il est revenu par là. Bon, là, il faut l'éviter. Solo, cache-toi. Là, c'est du cache-cache. Hein. Fais gaffe. Allez, allez, allez. C'est bon. C'est bon ou pas? Allez, on y va vite, 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 vite. Parfait. Et on fonce. Allez, 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 allez. Ok, nickel. Ah, mais il est là, le truc. Parfait. Prends ça. Oula. Ouh, ouh, ouh. Ah, salaud. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ce chien? Ah, mais c'est le chien de tout à l'heure, non? Wesh, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il va me bouffer ou quoi, lui? Tu vois ce qu'il fait? Ah, il m'a sauvé! Aide-moi! Comment ça, aide-moi? Mais il est gentil, en fait, le toutou! Ok. Bon, bah, très bien. Petite sauvegarde. En fait, il m'a sauvé, le toutou. Je pensais qu'il m'attaquerait, moi. Allez, on retourne où on vient. Et on va aller voir le docteur. Henrik? Sarah? Can you hear me? Timing is a little bit bad. Do you have the key? I got it. But I have to tell you just that... Just insert the artifact key into the tablet and hurry back here. There's something we want to show you. Bon, très bien. Ok, on va prendre l'audio. Et on va aller poser la tablette. Enfin, le petit crâne sur la tablette. Et après, on va direct... Bon, on va pas faire tout le tour. On va faire tout le tour, c'est pas grave. Et après, on ira directement voir le docteur, hein, tout simplement. The story depicts a prank where Loki has the blind Hodur fling a spear at Baldur. Nickel. The blind brother didn't know that the spear Was tipped with mistletoe. Il en manque un, hein, the life of Baldur. Il en manque un. The aftermath of this prank is l'ascenseur, elle est là. In comparison to the ones of the Edda. Apparently, the vengeful gods went on a killing spree. On va aller directement vers le B1, je crois. C'est... Il est là-bas, le mec. Voilà. Parfait. Oh, très bien. Allez. Y'a rien par là. Ouais, c'est bon. Ok. Avant d'aller voir le docteur, on va sauvegarder ici. Et on va aller voir le toubib. Oula. Relax. Just relax. There's something I want to show you. Something you need to see. Hein? Mais il est malade, lui.
Oh là, il m'a respecté encore ici. En fait, il m'a tué, le con. Oh là. Ouais. On va remettre les petites bouboules, hein. Ok. On va en mettre un là. Et le deuxième, je sais pas où il est. Ah, il doit être au-dessus là-bas, là. Il est là. Voilà. Ok. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. On pose là. Et on y va là. Il est fou, le mec. Sarah, you were right. Tell me, did you see him? Did you see the spirit from the machine? What the hell did you do? Don't you see? You killed me! You have direct access to the spirit's lair. None of us can reach it but you. You can go there anytime you want. Did you have the Jarngreiper with you? Yes, You can even bring things with you? Oh, fantastic! I believe that the ether that you just came from is the home of the spirit from the machine. I believe that this spirit is Loki. Wait a minute, honey. You can't just assume that. We don't know. You are crazy. I've had enough of this. No, please listen to me. I'm sorry Henrik did that to you. We knew perfectly fine that it wasn't going to kill you, and it wasn't like we could ask you to die for us. I'm not a test subject. You can't kill me for some damn experiment. I promise. I'm sorry. I'm sorry. Please, please don't let the world end. Sarah, tell her what you told me before. Beneath the shadow of Yggdrasil, in the Well of Wisdom, is where the final artifact key can be recovered. In the depth, under the Tree of All Things. But that is not all it holds. On your way to the depth, you should be able to recover another artifact, the Eye of Odin. When you die, you have to find orbs before you can return, correct? I do. If you activate the Eye of Odin on those orbs, then you will touch them with divine magic. Then, placing them in the keyholes won't just let you pass back to Midgard. It will let you destroy the ether with the spirit left inside. We just need to find a route leading to the well. I know of one. What? I'm sorry I didn't tell you, Sarah. Before I got in contact with you again, I found the well. When I did, I thought I could fix all of this. And just like the Allfather Odin, I sacrificed my eye for wisdom. Oh, Henrik. It didn't work. The route that leads to the well is underneath us, in the waste treatment plant. Scan my hand, and you'll gain access to it through the elevator. That should do it. Head down to the waste treatment plant. It should be a straight path from there. Good luck. And be careful down there. Never let the lights go out. In the worst case scenario, you always have the Jarngreiper. Bon, parlons-nous d'ici là. Il nous a dit de prendre l'ascenseur, il me semble. On va repartir de l'autre côté. Voilà. On va sauvegarder ici. Voilà. Très bien. Et on va se barrer. Ah là. Ok. Il nous a dit d'aller en... Je crois que c'est B2, il me semble. Ouais, traitement de je sais pas quoi, là. Sélectionne. Voilà. Nickel. Très bien. Ok. Allez, téléportation. Ok. Très bien. On avance, on avance. Où est-ce qu'on va atterrir? Je me le demande. Ok, on avance. Ouh là là, ça sonne pas bon ça.
point de sauvegarde ici. Et on avance encore. On va prendre ça. Très bien. Là, il n'y a rien. Et on va aller par là. Oh putain! C'était quoi cette merde? C'était quoi cette connerie, hein? Ah! Oh, je suis arrivé où, là? What? Putain, c'est très sombre, on voit rien du tout. Putain, j'ai l'impression d'être dans les boyaux d'un animal. Oh, c'est trop chelou. Il y a un point de sauvegarde ici, attendez. Comment on monte, là? Ah, par là. Hop là. On sauvegarde ici, au moins on est sûr qu'on est bon. Bon là, je vais pas trop parler parce que j'ai l'impression que là, ça va être vraiment la merde. On voit rien du tout. Dr. Thomas Jameson, Chuddenheim Operations Supervisor, Day 3. We've been working around the clock the last 3 days to set up a lift to reach the bottom of the pit with the proper equipment. Dr. Anderson claimed that this giant hole in the ground is the Well of Wisdom from the myth. The remnants of the prior guardian seems to confirm that suspicion. We're setting up the elevator to get further into the pit, but... I think I saw something move down there. Something big.
suis complètement paumé, les gars. Complètement paumé. Je m'y perds vite dans cette zone-là. Je sais même pas où aller. Oh là là. C'est très sombre, on voit rien. Je sais pas si vous le verrez une fois que je l'aurai publié la vidéo, mais je vois que dalle. Je vois à peine les lumières blanches là, enfin les lumières jaunes un peu, mais c'est tout. Ça je prends. Allez, prends. Voilà. Ah, sixième zone. Ok. Parfait. On va attendre un petit peu, autant que la charge. C'est vraiment horrible. Allez, 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 charge. Ok, on y est. On va aller par là. Voilà. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Allez, là. Bon. Ok. Oh là là. J'ai l'impression d'avoir d'être tombé dans un espèce de nid de gros vers dégueulasse répugnante là. Aïe! Attends, je vais y aller. J'ai vu de la lumière au fond. Allez, cours. Voilà. Il faudra vraiment sauter et faire gaffe ne pas tomber en dessous. Parce que là, je sens les petites bébêtes qui vont me bouffer là. On va faire gaffe. Et hop là. C'est bon. Vous entendez les bruits bizarres là? C'est eux qui sont en dessous. Voilà, nickel. Ok. Oh là, j'ai pas envie de tomber. Allez, vas-y. Ok. Oula. Et hop là, c'est vrai. Allez, encore un coup. Et hop là. Je prends ça. Encore un petit effort. Je prends ça. On saute. Et je prends ça. Voilà. Bon. Pour l'instant, normalement, c'est bon. On va attendre que ça charge. Vas-y. On a réussi le parcours, je pense, là. Ok. Bon, et maintenant. Parce qu'on a atterri. Ah, on va par là. J'avance vraiment à l'aveugle là. C'est ouf. Ok. Oh. On va avancer encore un peu. Oh putain. Ouais, c'est des gros vers en fait. Hein. Des espèces de sangsues bizarres. Vas-y, avance, cours. Je sais pas où je vais, hein. J'avance là où il y a de l'espace. Hein. Oh. Encore un petit trou. Hop. Allez, on charge. Allez. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis. Hein. Le temps, la prochaine sauvegarde, on s'arrête là de toute façon. Allez. Oh putain, mais il y en a même au plafond. Oh là là, vite. Il n'y a pas une sortie. Aïe! Une petite sortie, s'il vous plaît. J'ai pas envie de rester là. Allez, barre-toi. Là, voilà, là. Baisse-toi, vite. Ok. Ouf, oh il y en a un devant encore. Oh putain c'est dégueulasse. C'est dégueu. Il y en a encore au plafond. Allez vite, avance. Faut pas qu'il te tombe sur la gueule sinon t'es dans la merde. Droite, gauche, je sais pas. On va attendre vite fait. Allez, allume. Ouais, bon, c'était à droite. Ouh poupou. Allez, s'il vous plaît, je peux sortir d'ici. Yes! Putain, je l'ai vite élu.
c'est long, hein. Ah, ça y est, le chemin. Ça y est. Il y a de l'air frais. Ouf. Enfin, de l'air frais, on est encore à l'intérieur, mais bon. Ok. Ah, voilà le crâne. Hop. Un œil, ok. Wow. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouh, la porte est ouverte. Vite. Cours. Casse-toi. Ouh, putain. Ouh, Dieu. Vas-y. Hop là. Ouf. Wow. Ok, on s'est sorti indemne. Parfait. Ah bah voilà, il y a un point de sauvegarde. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter à là. Hein, pour cette partie, quatrième partie de Absolove. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner évidemment. Et on se retrouvera pour la cinquième partie. Et à mon avis, on ira directement vers la tablette pour incruster le crâne. Et sûrement aller voir le docteur après. Je pense. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.